Oh oh, et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur notre nouvelle aventure Tactics Ogre Reborn. Avec un petit peu de retard, j'ai reçu un petit peu en retard, quoi. Je sais qu'il y en a qui l'ont depuis au moins 4-5 jours, moi je l'ai reçu que ce samedi 12, voilà. Je m'en refais rien qui n'a pas aidé. Et du coup, Tactics Ogre Reborn, qui sera notre prochaine aventure, un tactical RPG que je vais complètement découvrir parce que c'est une licence que je n'ai jamais pu toucher, tester. C'est la première fois qu'on a un Tactics Ogre en français chez nous. Petite précision, je vais laisser les voix anglaises pour l'instant, on verra, je testerai un petit peu les voix japonaises aussi. Et du coup, après The Diofield et avant ça, Triangle Strategy, forcément on allait finir l'année en beauté avec Tactics Ogre Reborn, donc, qui est dans le même style de jeu. Et sans plus attendre, on est parti. Ah, le jeu qui m'a pris de vitesse. Nouvelle partie s'il vous plaît. Ah, enfant du destin, quand es-tu né? Mettre ma date de naissance, si vous le savez déjà. Sombre qui... Ouh. Eh bien, très bien. Ça me va parfaitement. Tout comme les eaux dans le ciel, tu te prépares à faire un long voyage. Qui amènes-tu avec toi? Mon amour, ma famille, un ami. Oh, c'est stylé. Bref. Ma famille, non. Un ami, on risque d'en faire pas mal. Allez, mon amour, faites-moi rêver. La force, les ténèbres menaçant l'âme. Tous les hommes ont une part de ténèbres dans leur âme. Que se cache-t-il au profond de la tienne? La vengeance envers ma famille, la vengeance envers des amis, la vengeance envers la société. Ah bah forcément. La grande prêtresse. Les chaînes de la foi enserrent le cœur. Tous les âmes ont des défauts. Quel est le plus grand des tiens? Ma tendance à la paresse, ma jalousie des autres. Trop grand orgueil. Allez, on remet de la paresse. Ça a peut-être déterminé mes stats en fait. 19, le soleil. Un avenir inaliénable. Tu sors vainqueur d'une dure bataille. À quoi dois-tu ton triomphe? À mon propre talent, aux efforts de mes compagnons. À mon propre talent. L'impératrice. Des jours resplendissants. Dans quelle qualité surpasses-tu les autres? Ma beauté. Ma richesse. Ma sagesse. Alors, la beauté, peut-être pas. Richesse, c'est pas le cas. Bon, bah, par défaut. À quelle déesse demandes-tu sa protection? Alors oui, pour information, moi j'ai rien regardé, je sais qu'il y a eu énormément d'infos qui ont été communiquées avant la sortie du jeu. Il y a eu des ajustements vis-à-vis des classes, etc. J'ai pas regardé, je voulais rien savoir, je voulais découvrir par moi-même. Alors que nous avons des très beaux designs pour les divinités. Nous avons la déesse du vent. Anela, qui est une femme jaguar, a priori. Nous avons déesse de la glace, Lyuneram. Elle est stylée. Elle a 4 bras. Déesse du feu. Xojosnel. Oh la vache, j'ai du mal à parler. Xojosnel, ok. Déesse de la terre, Paasa. Ok. Il n'y a que des déesses. Déesse de la foudre, Nestaroth. Il y a d'ailleurs
Ah oui, ils ont... Attends... Ah non, ils ont pas tous des compagnons, j'allais dire, ils en ont tous un. Et Death de l'eau. Greza. Je suis tenté par la glace. Mal de fou, pourquoi pas. La foudre, c'est toujours fort. Dans la glace aussi, tu me diras, mais... Ah, je vais choisir la terre. Je sais pas. Je prends la terre, tant pis. Est-ce bien la protection de cette déesse que tu désires ? Quelle voie choisiras-tu de suivre, bien que cette histoire commence ? Ah, c'est bien que cette histoire commence. Square Enix Presents. Ogre Battle Saga, épisode 7. Chapitre 1. Est-il de mon devoir de me salir les mains ? It's as we heard, Denim. Lancelot's returned. Alors, petite info, j'ai laissé le doublage. Il est possible de l'activer, je pourrais faire la lecture. Ce sera à vous de me dire ce que vous préférez. Comme vous savez, je suis doubleur officiel de Vivi, notamment sur Final Fantasy IX. J'ai fait différents doublages sur Final Fantasy, vous le savez tous. Vous me direz si vous avez envie d'un doublage de qualité, ou alors je laisse le doublage du jeu en mode cinématique. Mais du coup, c'est vrai que je risque de pas beaucoup parler, puisque je pense que, en tout cas de ce que le jeu me vend, ça a l'air d'être un scénario quand même assez conséquent, et il a l'air quand même d'avoir aussi pas mal de dialogue. Donc... J'attendrai vos retours là-dessus, sinon pour l'instant je vais laisser comme ça. Le jeu a priori a entièrement doublé, donc autant le laisser aussi. Vous me direz. Then it's time. Right, sister? Time to end this madness. We can't beat him, you know that. What are you saying, Kashua? You'd have us pass up a chance like this? It's foolishness to think the three of us might defeat the Dark Knights. They're the ones who have been foolish, and we stand to gain. Don't tell me you're scared. If you've lost your taste for blood, I'll do... That's enough, Vice. Let's go. Oh,
This won't end well. And what do we gain by taking their lives anyway? Lancelot is captain of the Dark Knights, and they are the source of Barkrum power. Kill Lancelot, and you remove one of the pillars supporting them. The Barkrum will falter, if only for a moment. Yet that moment will be all the encouragement the Galgastani require. They want Valeria for their own. The turmoil of the last war has only just settled. And you'd start another? Are we Wallister so free of turmoil now, Koshua? We are less than vermin in their eyes. Insects to be crushed underfoot. If war begins anew, we'll die just the same. Shh, they're here. We'll flank them. Denim, go around behind. Right. Vainquer Lancelot. Ah ouais, ça commence direct. À l'attaque! Combat tuto, je suppose. Lorsqu'une bataille commence, les unités ayant les délais de réaction, donc DR, les plus courts attaquent en premier. Le moment auquel les unités agissent est appelé tour d'attaque. Lors du tour d'attaque d'une de vos unités, vous pouvez lui faire exécuter des actions via les sous-menus se déplacer ou agir. Pour donner un ordre à l'unité dont c'est actuellement le tour d'attaque, placez votre curseur sur L et appuyez sur A. Le menu des actions s'affichera alors. Vous ne pouvez pas exécuter d'action pendant le tour des ennemis ou des unités que vous ne contrôlez pas. Il vous est toutefois possible d'utiliser l'interruption des tours d'attaque en appuyant sur X afin d'examiner les unités engagées dans la bataille ou d'utiliser certains menus, bon, comme la plupart des tacticals. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le guide du jeu dans la chronique de Warren. Du coup, on va retrouver plus ce qui se rapproche en fait d'un FF Tactics, soit en termes de... Oh là là, il y a plein de trucs. Mais comment je fais pour revenir Alors, souci de caméra. Je découvre. Voilà, ok, d'accord. Très bien. Donc on peut soit faire dessus, soit et tout. Ok, très bien. Bah écoutez, pour l'instant, on peut pas faire grand chose. On va se déplacer là-bas, on va essayer de les prendre à revers. Un du tour. Hop. Oui, je contrôle qu'un seul perso de toute façon. Friends of the Resistance. And no friends of yours. The Resistance. I expected a warmer welcome than this. They're children. Wait, do you even know who we are? You're Lancelot, and that makes you my enemy. Lancelot is my name, true. How is it that you know me? How could I forget you? The Dark Knights laid torch to this town only a winter past. The Dark Knights? But we come from the kingdom of New Zenobia to the east. And Lancelot of the Dark Knights has but one eye. You have two. One eye, you say? Would that he lacked my name as well. Oh, his reputation, it seems, does me no favors. No marauding knights us, but mercenaries come looking for work. I am Lancelot Hamilton, a holy knight of Zenobia. And I am Canopus, the one they name Windcaller. Our aged companion here is... The Starseer, Warren Oman, at your service. Myrddin Walhorn, a knight of Zenobia, as it please you. Gildas is my name. There now, no need to be frightened. I wasn't. I don't know what to... Forgive us, good knights. But perhaps this meeting might benefit us both. Ah. Tell us your tale, then.
We are strangers in this land, and I would hear more of it. Vice is my name. It would seem that you are not our enemy. I am the Sybil Karshua, and this is my brother, Denim. Ah, il y a des choix de dialogue intéressants, bah oui. Oui, c'est ce qu'on veut. Du coup, il faudra peut-être que je fasse un comparatif des trois jeux qu'on a fait entre Triangle Strategy, Diophil Chronicle et celui-là. Voir un peu les impacts, le scénario, les styles de combat et tout. Peut-être un comparatif genre de duel entre les jeux, etc. Alors, pour nous, c'est méprise. Reste sur tes gardes, Katia. Allez, on va. I'm Denim. Please, forgive our error. Ils sont peut-être agents doubles, on sait pas. Already forgotten. Though you did give us quite the surprise. Now, do you think we might talk somewhere out of this wretched heat? We have just the place. It's not much, but it's secret, and it's safe. Alors, par contre, amener direct des inconnus dans sa planque, c'est un risque. As it is, we lack swords enough to face the Galgastani. The Bakram share our deficit. A deficit they've remedied by joining forces with Lodus. So Lodus sent them the Dark Knight's Loslorian. Loslorian is an order under the direct command of High Priest Sardian, ruler of Lodus. They are said to be the greatest of the 16 orders and the High Priest's favorite besides. Yet he uses them not in open battle, but in shadows and secrecy. They are his ears and his dagger. They are... And these Dark Knights, whatever you call them, are backing the Bakram, eh? So, why are you come to our isles? Does Zenobia think to claim Valeria as her own? Do Lodus and Zenobia mean to bring their wars to our shores? Enough, Vice. Your question deserves an answer. We are Zenobian, after all. Yet we do not serve as knights of Zenobia. We were banished, cast out. No place waiting for us back home. Pourquoi vous avez été banni? We've come to find work, preferably of the well-paying variety. I don't trust you, and I don't trust your story. This is our fight. Vice, please. Lord Knight, you must forgive our passion. There is nothing to forgive. Tell me, what will you do now? For one, we have to get Duke Ronway out of Almorica. Duke Ronway, he is your leader. Not just us, he leads all the Wallister. The Galgastani hold him captive in their castle. They plan to execute him, if the rumors are to be believed. And we mean to stop them. A duke? But if his purse matches his title, a little rescue work might be just the thing. How about it, Lancelot? Look, I'm sorry for not trusting you. Then there's nothing to be gained jabbering on here, eh? To Almorica Castle. Wait! The castle is well defended. A fight there would mean our deaths. And yours, Lord Knight. And I've seen enough of fighting. Enough of... What about you, Denim? Would you have our aid? Je vous prie de nous aider, nous saurons nous débrouiller sans vous. On va rester. Without your help, the Duke is as good as dead. Mais il y a méfiance quand même. Ah, then it's settled. We will prepare at once. S'ils ont été bannis, c'est peut-être pas pour rien. Il faut peut-être s'attendre à des trahisons. Why do you not heed me, brother? I know how you must feel. But what of my feelings? Our father is dead. A hard truth.
but a truth all the same. In all the world, you are the only one bound to me by blood. I couldn't bear to let you die. Forgive me. I know my words will not sway you. Only promise me. Promise you'll never leave your sister. Non. What's keeping you? Everyone's ready. Ah, il a pas promis, hein. You can't coddle him forever. He's no little boy anymore. Do not speak to me of my brother. He does not share your lust for blood. I have no love for war, but I'd sooner die on my feet than on my knees. You would die on the backs of others. You were the one who brought them in here, Kashua. Because when I find a tool well suited for a job, I use it. At least one of us has the sense to recognize an opportunity. You should thank me. Is that how you see people? As tools? I'd have expected more of a Sibyl. I only want to see an end of death. Lancelot et ses compagnons ont rejoint votre troupe en tant qu'invités, donc je pourrais pas les contrôler évidemment, ça aurait été trop simple. Pour vous rendre dans les lieux tels que les villes et les châteaux affichés sur la carte, il vous suffit de déplacer le curseur sur votre destination puis d'appuyer sur A. Appuyez sur A lorsque le curseur est placé sur l'icône de votre troupe, aura pour effet d'ouvrir le menu principal. Ce menu vous permet d'y sélectionner les sous-menus troupes où vous pouvez modifier l'équipement ou la classe de vos unités ou chronique de Warren afin de vérifier les événements ou les protagonistes de l'histoire. Donc a priori de ce que j'ai vu, une des choses qui a été changée sur ce Tactics Ogre, c'est la possibilité de changer les classes justement, effectivement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc là ça laisse plus de possibilités d'ajuster certaines unités pour peut-être aborder certaines missions un peu plus facilement. Donc ok, bon après voilà. Oui, du coup j'ai mon joystick qui déconne un peu. On va faire une sauvegarde. La première sauvegarde, c'est bon. Je regarde vite fait les réglages. Donc voilà, ce que je disais, la lecture des voix, on peut la désactiver si jamais, donc vous me direz. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on peut quand même modifier pas mal de choses. De curseur. Ah, attendez. Ok. Très bien. C'est, ouais, déplacement du curseur. Ok. Ah oui, donc il y a quand même pas mal d'options. Donc pour information, je joue sur la version Switch. Je pense que vous avez remarqué avec les touches. Et du coup... Fais voir les troupes. Niveau 1, tout le monde est niveau 1. Non, ils sont niveau 3, bon. Des fiches plutôt complètes. Avec l'état. Les équipements. Donc on a une épée courte. Pour l'instant, je suppose qu'on peut rien acheter. On est déjà équipé, on a des équipements de base. Des consommables, on n'en a pas. Des compétences, on en a une. Compétences de soutien, visiblement. On va découvrir ça. Technique d'armes, on n'en a pas non plus. Ok, bon, bah on va découvrir ça au fur et à mesure de toute façon. Donc je sais pas du tout. Combien de temps? Je pense que ce sera beaucoup plus long que The Diophy Chronicle. Peut-être que ça va nous occuper jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, j'essaierai de garder un rythme comme pour Triangle Strategy et The Diophy Chronicle. Avec le timecode, tout ce qu'il faut. Je regarde un peu, on est tous les deux de terre, les deux foudre, feu. Ça c'était quoi? Je sais plus.
Ok, bon. Let's go. Pour moi faire une petite mission. Parce qu'il y a quand même eu 26 minutes d'intro. Alors plusieurs batailles vont s'enchaîner dans diverses parties du château. Il vous est impossible de quitter les lieux avant d'avoir terminé tous ces combats. Mais vous pouvez sauvegarder votre progression avant de passer à la bataille suivante. Nous vous conseillons toutefois d'essayer des déplacements de sauvegarde différents. Ok, le jeu qui te dit attention. De toute façon, on sait... Ah oui, d'accord, ça se présente comme ça, très bien. Ok. Bah écoutez, on va commencer avec les portes d'Almorica. En description, nous avons autrefois siège du pouvoir de l'ancien pays d'Almorica. Ce château est devenu la demeure du duc Ronway avant que la guerre... éclate. Let's go! Putain, y'a du monde. You're the rebels what been hiding out in Goliath. Here to save your duke, is it? There's 2,000 goth on that one's head, boys. Half the purse to him what brings him down. Vainquez Bapal! Y'a du monde. Il y a du monde. A narrow stream, scarce one pace across. Easily jump this. Watch. Donc là, ça est le combat tuto. Ok, donc on peut. Ok. Look before, eh? You can only jump to ground of the same height or lower. Donc là, un peu plus. Faudra faire un peu plus attention au terrain. One of the winged, like me. Moves with no heed of height or terrain. Even so, rushing in alone without someone to watch your back is asking for an early grave. Tout à fait. Always keep a close watch on the action to see who will move next. Avoid unnecessary actions and keep speed on your side. The distance a unit moves and the actions it takes determine how long it must wait to move again. The order in which units act is called the attack turn. Keep a close eye on this. Non mais tu m'as pris pour un débutant ou quoi? You can sort units by order of attack turn to quickly tell which unit will move next. When a unit's turn comes round, you can command it to move, act, or use skills. What's more, you can issue these commands in any order you see fit. Think on un déplacement, une action, enfin une attaque et une compétence éventuellement. Donc, oh, donc c'est bien. Donc en limite, tu peux te soigner après après attaque. Ouais, peut-être que les soins c'est. Can be cancelled at any time. If you find a unit out of range for a planned attack, try moving it to a different location. Units begin battle with no MP. That be. Units accumulate MP gradually over time. Powerful magic requires greater amounts of MP, so think ahead before casting a spell. Très bien. Moi en fait je contrôle qu'un seul perso là. Hop, j'ai fait magique, très bien. Skills are divided into four broad categories: action, support, auto and special. OK. Units learn skills as they gain levels according to their class. That just now was meditate, an auto skill. Auto skills will sometimes take effect before your turn comes around. Oui, il n'est pas si fort. Use this to your advantage. Très bien. Boule de feu, la bouboule. Oh putain, c'est ça qui a pété en fait. Conjurer of magics must do more than learn a spell to wield it in battle. You must assign spells to your units from the party screen.
Ok, donc pas. Ouais, c'est ça. You'll need a class mark in order to change a unit's class. Some class marks can be found for sale in shops, but not all are to be had so easily. Alors on te balance des infos là par contre, hein, la vache. A unit's level doesn't change when they change classes. So if one class isn't working out, a new line of work may be in order. Ah, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que, par exemple, on prend l'exemple d'un Fire Emblem. Un changement de classe te ramène. Alors, généralement, c'est une classe quand même qui booste quand même pas mal tes stats. Ça te ramène niveau 1. There's no reason to go making things harder on yourself than they already are. Du coup, c'est plus une évolution de classe, mais de temps en temps, tu peux faire évoluer des personnages aussi. To use common consumables such as Mendleaf in battle, you'll have to prepare before you're on the field. Ouais, donc en fait. Best choose them with your unit's needs in mind. Donc là, par contre, c'est un truc qui peut être un peu plus effectivement délicat. C'est que c'est faut équiper les objets pour chaque perso, les objets consommables. C'est pas un inventaire commun qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra. En fait, il y aura un gros travail de. Take heed of the enemy's element before striking. There are eight in all. Air, earth, lightning, water, fire, ice, light, and darkness. Oui, donc je disais, oui, ça c'est un truc, donc il y aura un gros travail de préparation, je pense, avant. Par rapport aux deux autres jeux que nous avons fait précédemment. Each element has its strength. Air against earth and so on. It can be enough to give you the edge you need. Each unit has a level, but so does your party. Your and remember, a unit can't advance beyond the level of the party. One whisper of Ronway's execution and out you come, bold as you please. A rat can smell a trap, but not all rebels, huh? High time we were rid of your lot. Il a pas fait le rire, je suis déçu. Support skills are just that, skills that provide some passive benefit to the user. When I move, you'll notice yellow points of light near me on the ground. This is a support skill called Rampart Aura. Any foes entering the range of the aura will be unable to move further until their next turn. Okay. Some support skills hinder the enemy's movement, while others might grant enhanced strength. Consider well your class and lay of the battlefield when choosing which to use. Il va y avoir tellement d'éléments à prendre en compte, bordel. Ah, attendez. C'est lui qui va agir après. Ah, par contre, tu peux. Attendez. On va se mettre juste ici, prêt à l'attaquer. Vraiment, choisir un sens, c'est très important. Trap, and we walk right into it. Trap or no, we fight or we die. I've never let a Galgastani get the better of me, and I don't mean to start today. Focus, Vice. Our first duty is to save the Duke.
Don't lecture me on duty. Your only duty is to stay alive. You should not speak to Denham so. He was only trying to help. No Wallisters! I know a man from Lotus when I see one. Mais laissez-moi buter quelqu'un, bordel! Ah, les attaques en tenaille, c'est bien ça. Ça, on aime. Il y en a qui prennent cher. Hein. Enfin, moi je suis juste là pour observer, avoir toutes les options possibles, mais je suis spectateur, je fais rien du combat. Are you all right, Denham? You shouldn't let Vice get to you. I'm fine, sister. Back to the battle. Mais il va mourir. Soigne-le. Oh le fou. Ah ouais. Bon, je pense que ce sera pas tout le temps aussi généreux, mais... Vice, il va mourir. Voilà, c'est capté. Quoi? Est-ce que je peux taper quelqu'un là? Toujours pas. Je peux ramasser les butins. Je ne sers qu'à ça dans ce combat, c'est incroyable. Ah, on m'attaque. Allez, soigne-toi en priorité. Je vous montre bien, hein, éliminer d'abord les larvins. Attaque en tenaille, attention, notre première attaque, c'est maintenant. On peut lancer des cailloux, c'est vrai. À moins 49 PV, quand même. Et on a 100% de chance de toucher, par contre... Alors, en fait, c'est ça, il a l'avantage, il a un élément de plus avantageux. Quand je suis derrière, il est devant. Du coup, l'attaque en tenaille, ça va faire mal, là. Ah, du coup, c'est pas attaque en tenaille ? Peut-être un truc que j'ai pas pigé. Ou alors faut avoir une compétence. Looks like our luck has turned. Coup tous les butins qu'on n'a pas ramassés. Victoire! Oh, cet écran de victoire magnifique. Titre de berserker. Oh là là. Du coup notre boss il s'est vraiment barré, du coup il a pas d'XP quoi. Les points d'expérience ne sont pas attribués individuellement à chaque unité, ils sont répartis entre les unités composant l'équipe ayant participé à la bataille, à condition qu'elles y aient survécu. Plus de détails sur ce sujet, guide du jeu dans la chronique de Warren. Question, une unité morte est morte définitivement? Leave the heavy lifting to us, Denham. Cover our flank. That's all we ask.
C'est une réussite, bien joué. Une sauvegarde, du coup sur un autre slot. Troupe. Il a pas pris d'XP, c'est nul. Changer de numéro, réattribuer liste des classes. Ah oui, du coup on peut faire un berserker. Ok. Attendez, parce qu'on a récupéré plein de trucs en vrai. You. Equipment. On a récupéré des trucs qui sont moins bien du coup. Ok. Est-ce que j'ai récupéré une arme? En fait, logiquement, en gros, faut que j'aille dans mes objets. Et là, je peux équiper mes... Ok. C'est en l'essence. Je pense que ça marche comme un remède. Ça, c'est quoi? En fait, le coma, effectivement, c'est bien d'en avoir un. Pour l'instant, tant que mes alliés sont en invité, je vais pas trop m'embêter avec eux. Parchemin. Ok. Compétences. Compétence à l'épée, du coup. Je vais regarder vite fait le mage. Voilà, on peut pas modifier. De toute façon, ils sont en invité. Très bien, non, mais c'est ça, c'est, bah, j'ai anticipé le truc sans le savoir. Ok. Et eh ben, let's go. Grande salle d'Almorica. Cette salle menant aux appartements du châtelain se distingue par ses murs dénués de décoration. Les caractéristiques des châteaux de ces minces. Bon, bah, je vais aller trop vite. A fine time for this, with Master Nyberth away. Listen well. We face the rogues who slew Bapal and his men. Underestimate. Give these rebel swine a taste of Galgastani steel. Almorica shall never fall. Ils sont tous invités, du coup. À l'attaque! Bon, c'est vraiment combat tuto, hein. Oh, très bien joué ça. Ok, on est d'accord, c'est pas des ennemis ça. C'est juste des protections, c'est des statues. Oh, la para a bien joué. La double parade, bien joué. Interlopers, why do you meddle in our affairs? Our struggle with the Wallister goes back generations. It's no concern of yours. Or do you seek to claim Valyria as Lodis does? I will have your answer. We are men without a country. We have lent them our swords because it suits us to do so. And we're looking for mercenary work, as it happens. Not hiring, by any chance. Pardon? Don't worry, you'll leave for a bigger purse. J'ai eu peur. We don't need outsiders to do our killing. He makes a good point. Let's rescue this Duke, collect our reward, and be done with it.
That craven who would choose lucre over loyalty deserves only one reward. J'ai quand même envie d'être utile sur ce combat. Terre-terre, vent-terre, ah merde. J'ai peut-être un peu bourrin avec mon perso. En fait, je sais pas s'il tombe, est-ce que c'est game over comme certains tactical. Ou alors non, ça continue et... Le mage, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, merci. Pauvre Améran, sur ces terres. Deviens une flèche foudroyante et retourne dans le giron maternel. Récupère le butin, évidemment. Homme en bronze, culotte en lin, drogue de Zolia. Un seul petit truc pour l'instant que je trouve pas hyper... Oh, merci de récupérer le butin, c'est cool ça. Truc qui... Pas forcément... Enfin... Comment dire... Que je trouve pas forcément très très... joli, etc. C'est le côté... C'est le truc en fait qui détermine les tours. Je sais pas, je voyais pas ça comme ça en fait. Même si après on a les visages, hein, mais tout quand même pour signaler, mais... Bon. Voilà. J'essaie de... Je chipote. Alors je peux agir sur lui, qui est de terre aussi. Je vais pas m'attaquer. Ah non! Ah très bien ça, il est de foudre. Tiens, bouffe. On récupère le butin. Go en cuir. En fait, je pense que tous les butins comme ça qu'on récupère, c'est parce qu'en fait, les unités qu'on a avec nous vont pas forcément rester avec nous. Et en fait, on aura de quoi équiper des nouvelles unités qu'on aura plus tard. Burn. Flamme rougeoyante, concentrez vous dans mes mains et devenez un projectile incandescent. Healing. Yes. Ah, Vice il prend tout. Hein. Vice il prend tout le bougre. On fait 66, mais est-ce que du coup l'autre il tape aussi? Ah, je peux taper mes alliés? Ah. Évidemment. Ah, en vrai, est-ce qu'on l'attaquerait pas dans le dos? Dégâts critiques comme ça. Enfin, dégâts critiques, non, c'est plus 100% de réussite. Ouais, non, en fait, ça changeait pas grand-chose sur le coup. Y a pas d'attaque en tenaille là. My life for Galgastan. Victory is mine. Un arc court rafale cinglante, ok. Outre de chevalier. C'est ton premier succès. Magnifique.
Limite de niveau, ouais, donc c'est des personnages qu'on va pas garder, hein. Pas maintenant. Compétences techniques d'armes, yeah. The taste of freedom is sweet. You have my thanks. Sweeter still that Wallaster youths came to my aid. Denim wasn't. Doubtless you and your friends are a gift from the great father himself. The Wallaster boon is great, and our future bright. We are not alone in our loyalty. Upon word of your grace's release, many Wallaster have left their haunts for Almorica. And there is still time before the Galgastani come to remedy my freedom. Though not long, I fear. We must regroup. Now I must ask if the tale our guests have told us is indeed the truth. Upon my sword it is. We are outcasts from our land. I do not doubt your sword. It is the whiskers of your companion that give me pause. I hear a diviner matching his description was ever at the side of King Tristan when your new Zenobia came into being 2 years past. And that you, Sir Lancelot, were captain of the Holy Knights. Is the Saint King so brazen as to cast out the very men who placed him upon the throne? I, too, have heard tell of this diviner, but I am not he. Lodis plagues us with the Dark Knights, Lothlorien. How do we know that you are not some new menace visited upon Valeria? If new Zenobia does not seek to usurp, I would have your proof. Your Grace. These holy knights risked their own lives to win your freedom. A man can claim knighthood only when he serves a worthy lord. It is for such a man that we seek. I have your word, and its proof shall be in your deeds. You sought a reward. You shall have it. And employment besides. I would have you train our Wallaster loyals as guards and soldiers here in Almorica. As you wish. Now, Denim, your father was an Abuna in Goliath, was he not? I met him myself once. A wise man, Abuna Francet. What happened in Goliath was a tragedy. Please, Your Grace, you must avenge our father. No, all the people of Goliath. Yet the enemy before us is Galgastan. They must come first. And for that, I will need knights. Knights such as yourselves. Will you join my table at Almorica? Us? Knights? As young heroes of Wallaster, you will serve as a shining example to your clansmen. I would have you become knights in my direct service. Well, what say you? Of course. I mean, as you wish. Your Grace. I know Denham's with me on this. Excellent. Now, if you are to be a knightly order, you will require a name. Je vais saisir le nom de la troupe commandée par Denham. La limite est de 12 caractères, mais elle peut être inférieure en fonction des caractères saisis. J'ai pas d'idée qui me vienne, donc je pense qu'on peut laisser comme ça, c'est pas mal. What do you think? Direz-vous de l'ordre de Sombre Givre? Yes, a fine name. You'll go far, I'm certain. I have much for you to do.
Your first task takes you to the town of Trisaro, to the southwest. The captain of my knights, Sir Leonard, has gone there in pursuit of the former overseer of this castle, a necromancer named Nymeth. Truth be told, he's having a harder time of it than was expected. You'll be going to Chrysaro to aid him. Understood? Now before you leave, you'll want to fill your ranks with soldiers from Almorica and purchase. I expect you have little in way of coin. So I'm giving you 30,000 goth from the treasury and a few of my own knights to serve under you. You can count on us, Your Grace. We won't let you down. Then may victory and glory await you, young heroes of Wallister. You've led us to gainful employ after all. My thanks. No, it is I who should thank you. So, you're off to aid one of the Duke's men. I regret, above all else, stay alive. Win or lose, while there's life, there's hope. Ok, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, oh, c'est beau. I'll try to remember that. Best not forget, the dead get no second chances. If death were our aim, there are swifter ways to go about it than soldiering. We fight to live. True enough. Still, do not needlessly seek out danger. Enough will find you as it is. Of course. Ça veut dire qu'une unité qui meurt, elle est morte définitivement. Non? You are the heroes of Goliath, are you not? I must thank you for saving His Grace the Duke. Indeed, accept my thanks on behalf of us all. And you are? Ravnus Luxarian, a knight in service of the Duke. I would ride to Leonar's aid myself, but His Grace has other need of me. I fear the task falls to you. No need of fear, friend. We took back this castle, didn't we? In a manner of speaking, I suppose. And what manner would that be? She and her fellow knights drew off the garrison defending the castle. Else, we would not have succeeded. If it were not for the sacrifice of others, we would be no heroes of Goliath now. Make no mistake, I have high hopes for you. We must unite the people behind us if we are to put an end to this endless war. Word of your heroics emboldens them. Then you hold us up as heroes to serve some stratagem, is that it? If you do not like it, give truth to the lie. Write your own fate on the battlefield. May fate smile on us both, Dame Ravnus. His Grace provided you with war funds, yes? Remember, they do no good sitting in arms, spells, provisions. Even a single magic ring can mean the difference between victory and defeat. Merci de le rappeler. She thinks highly of herself. I pray we are not near when she falls from such height. C'est drôle. Olivier désire rejoindre votre troupe niveau 4. Ah non, c'est niveau 3. Guerrier. Qui se bat à la hache. Très bien. Bienvenue au club. Sirène désire rejoindre votre troupe. Une archère, eh ben. Bienvenue au club. Halo, et désire rejoindre notre troupe. Un magicien. Bienvenue au club. Ah, je peux les renommer aussi, tiens. Ah, bah mince. Berthe, désire rejoindre votre groupe. Sibyl. Oh, c'est un soigneur, quoi. Hercule, voilà.
Divi, soin, réveil, ok, très bien. Eh ben, bienvenue au club. Maurice désire joindre notre troupe. Guerrier unique. Oh, ça pas les nains, quoi. Vous avez accès aux options magasins et manœuvres dans les villes et châteaux que vous avez conquis. Magasin vous permet d'acheter et de vendre des objets ou des parchemins de magie, de recruter de nouvelles unités ou encore de mettre en vente aux enchères du coup les créatures de votre troupe. Pensez à vous procurer des objets comme ceux permettant de restaurer les PV de vos alliés, de vos unités avant votre prochaine bataille. Manœuvre vous permet d'effectuer des batailles d'entraînement. Vous pouvez choisir de vous replier à tout moment, que ce soit au moment de former votre équipe ou pendant les manœuvres. Par ailleurs, vos unités ne disparaîtront pas de votre troupe si elles sont tuées pendant les combats. N'hésitez donc pas à utiliser manœuvre pour augmenter le niveau de vos personnages. Les points d'expérience leur seront certes attribués, mais notez qu'aucun objet ne pourra être obtenu lors de ces batailles d'entraînement. Ok, de nouvelles options ont été ajoutées au mini-troupe. Exclure vous permet de... D'accord, il y a un bouton qui permet de... débarrasser des unités dont vous n'avez plus besoin. Attention, unités exclues ne peuvent pas être récupérées. Changer de classe. Chaque changement de classe requiert un objet appelé titre, donc on en a déjà. Technique d'herbe permet de vérifier les techniques d'herbe que chacune de vos unités peut utiliser et de les leur attribuer. Leurs obtention dépend du niveau de compétence de l'arme correspondante. Pour plus de détails, ok. Alors que mon joystick part encore en couille. Et ben ça fait beaucoup de choses. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause là, je pense. Et en fonction. Je pense que, ouais, non, en fait, ce qu'on va faire, ce sera plus simple, puisque je vois déjà à une heure de vidéo. Ce sera le premier épisode. Alors, certes, en chapitre 1. Mais je pense que voilà, on risque d'avoir des chapitres quand même beaucoup plus longs. Et puis, bah, aussi, il y aura des moments de farm, je pense. Dans ce jeu, donc je vais sauvegarder là. C'est le premier épisode, certes, il sera pas passé grand chose, on n'aura pas eu grand chose à faire, mais au moins ça introduit l'aventure. Et donc on se dit à très vite pour la suite. C'était le Gal 29 pour RPG Universe. Merci d'avance ceux qui suivront cette aventure et à la prochaine.